Hey, salut à tous, ici Tuto Deluxe 45 et je suis dans ce nouveau tuto donc pour vous faire pour vous montrer pardon comment fonctionnent les paramètres, enfin pas les paramètres mais apprendre à se servir de picolage. Donc je vous ai montré dans une vidéo télécharger comment faire une miniature, je vous ai montré vite fait comment la faire, comment mettre les photos, etc. Faut que je vous montre les paramètres, les modèles, comment faire, parce que nous on clique sur on va sur le forme libre. Faudrait voir ce qui se passe au-delà du forme libre quand même. Donc on va aller voir ça tout de suite, on se retrouve après la petite ellipse. Donc voilà, là on se retrouve sur la page d'accueil de picolage, avec tous les collages qui ont été faits. Voyez, enfin toutes les miniatures plutôt. Vous voyez, miniatures, les paramètres de picolage. Donc tac, je peux encore tout déplacer, mais ça va, c'est bien. Donc les paramètres de picolage, voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, maintenant, vous connaissez comment fonctionne forme libre. Maintenant, je vais vous montrer comment marche le mode modèle. Donc modèle, en fait, c'est assez amusant. Vous choisissez un modèle, hein. Exemple, on va choisir quoi? On va choisir. Bon, on va choisir un très très banal, si j'arrive à en trouver un. Parce que en fait, j'en avais vu un qui était bien, mais je sais pas où il est. Celui avec le téléphone, je sais pas si vous voyez. Donc j'en ai fait un en fait avec le téléphone. Donc vous voyez, il y a ça aussi. Donc thank you, blablabla. Non, on veut pas ça. On va choisir celui-là, c'est quoi? Congrate 2016. Je sais pas ce que c'est. Il y avait même un téléphone en fond. Donc, je sais pas, mais ça y est plus. Bon, de toute façon, je vais en choisir un autre au pire. Qui sera aussi sympathique, de toute façon. Il sera aussi sympathique. Et je pense que je vais prendre celui-là. Il est très stylé, je trouve. Donc, tac, il faut attendre que ça se fasse. Voilà, on a notre fond. On a le petit carré, en fait, qu'on peut déplacer. Vous voyez, en fait, on peut dupliquer l'image. Après, on peut la supprimer. Ça, je vais y mettre un chouïa plus haut. Donc, tac, en fait. Et on peut acheter une photo. Donc, tac. Faudrait peut-être penser à. Donc, voilà. Après, on a les autocollants. Donc, tac, vous avez les autocollants qui sont gratuits. Après, vous avez les prix. Hein. Il faut toujours regarder s'ils sont gratuits. Donc, tac. J'ai vu qu'il y en avait un payant, enfin un gratuit, pardon, un as, un bouquet de fleurs, enfin, un truc de fleurs. Donc, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc là, on va aller, donc en fait, vous allez tout simplement cliquer sur un truc, comme sur la forme libre, choisir une photo, download, et là, on va choisir le logo YouTube. Mais c'est pas l'anniversaire de YouTube, hein. On va choisir le logo de YouTube. Donc, vous voyez, en fait, je peux le passer là, le rétrécir, le tourner, etc. Le mettre dans tous les sens. Voilà. Ça le met automatiquement, en fait. À la bonne taille. Et je vais le supprimer. On va en mettre un, peut-être un plus joli. On va mettre Homer Simpson. Il est sympathique, Homer Simpson. Alors, je vais peut-être reculer. C'est pas ça que je veux. Eh ben non, ça veut pas marcher. Donc, enfin. Donc, tac, download. On va mettre quoi? Alors, on va mettre bon anniversaire Minecraft ou Homer Simpson. On va mettre Homer Simpson, il est plus sympa. Pas plein. On va mettre Homer Simpson, plus sympa. Donc, tac, moi je préfère ici. Et on va en mettre plusieurs. Et donc je vais peut-être couper l'image. Alors c'est assez complexe à couper les images d'Homer Simpson. En fait. Et là vous allez voir comme je coupe mal. Parce qu'on va avoir tout le blanc que j'ai laissé.
Ça va pas être bien beau à voir. Fait. Vous voyez, c'est très très évident. C'est pour cette raison que je vais y supprimer. D'accord. Hop là. Bon, on va remettre une photo comme ça. On va mettre. Allez, je vais mettre. On va mettre le logo YouTube, celui-là. Hop là. Tac, moi je préfère. Donc voilà. Et on va le mettre sous plusieurs. Donc celui-là. Ensuite, on va en ajouter une comme ça, vite fait. On va ajouter le deuxième qui est celui-là. Donc j'en ai pris trois. Donc tac, et on le met ici. Hop là. Je crois qu'on peut pas en mettre deux en fait au même endroit. Bon, tant pis. Voilà. Hop, sur le côté, regardez, on va mettre le petit signe YouTube. Petit logo YouTube. Attends, peut-être pas que ça se voit. Donc voilà. Et là, on va rétrécir. Voilà. YouTube. Happy birthday, YouTube. C'est pas joli. Et ensuite, on met fait. Donc ensuite, fait. Garder. Chargement. Tac. Donc voilà. Je fais une petite ellipse. Bon, les pubs. C'est rien, les pubs. Hein. Et voilà. Après, je vais la supprimer parce qu'elle est nulle. Hein. Ensuite, dans les photos. Je ne sais pas du tout en fait comment elle s'y prend. On va prendre une petite photo, une petite download. Allez, on va prendre Kaito. Donc déjà, je peux la mettre sous forme. On va mettre comme ça. Hein. Voilà, après on peut ajuster. On va ajuster comme ça. En fait, la photo c'est nul. Tapez ici pour sauvegarder. D'accord, donc c'est très nul en fait. Hop, et on retourne. On pub. Je sais pas si on peut coller en fait. Ouais, on peut acheter du texte. En gros, c'est naze. Voilà, on se l'enregistre quand même en plus. Donc voilà, ensuite vous avez donc en fait les nouvelles qui vous montrent en fait un peu les trois trucs et le magasin en fait avec les autocollants payants gratuits. Et ici vous avez donc explorer, activité, on va voir activité. Bon, activité, je l'ai déjà montré, on va montrer explorer. Et avec explorer, vous pouvez voir en fait ce qu'ont fait les gens. Donc voyez la petite classe dessinée, etc. Donc voilà, voilà mes collages, j'en tourne à mes collages à blague. Donc tac, en tout cas c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc sur ce, je vous dis salut à tous, et c'était donc tuto de luxe 45.